Tendance Ouest, reportage. On a vu la grue tomber, maintenant les experts détermineront les responsabilités, mais c'est la première fois ça. Ça fait 33 ans que je suis là, c'est la première fois. Bah, vous savez, à partir du moment où on grute plus de 1200 bateaux, donc les manutentions, c'est toujours des choses à risque. Hein, donc, c'est bien sûr, c'est envisageable toujours, c'est pour ça qu'on demande à ce que les gens, que les grutiers soient habilités, et voilà, tout ça quoi. On a de la chance surtout, c'est qu'il n'y a aucun blessé quoi. On a vu des gens qui ont couru, le grutier n'est pas blessé, la personne qui est à côté du bateau n'est pas blessée, et les gens qui étaient sur le quai d'armement sont passés à côté de la flèche et non blessés. Donc, je m'estime très heureux qu'il n'y ait aucun blessé là. Après, c'est que du matériel. Hein.